Jusqu'au 24 février prochain, des organismes communautaires de partout à travers le Québec se mobiliseront dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Grève, fermeture de locaux et envoi massif de cartes postales font partie des actions qui ont débuté le 21 février dernier avec une manifestation devant le bureau du ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman. Avec la pandémie, on a vu beaucoup de besoins émerger, puis c'est toujours les organismes communautaires qui sont le dernier filet social de notre société, mais c'est aussi eux qui sont souvent les moins financés. Depuis 2008, on attend le renouvellement du plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire autonome. En 2019, il y avait eu des débuts de consultation, de remaniement de ce plan d'action. On s'attendait à voir ça arriver en 2021. On est en 2022, il y a des élections qui arrivent à l'automne, il n'y a toujours rien. Il y a un budget qui arrive en mars, il n'y a toujours rien. Les organismes communautaires souhaitent obtenir un meilleur financement, notamment pour faciliter l'embauche et la rétention de personnel, deux grands défis pour le milieu communautaire. Ce qu'on veut, c'est du financement à la mission de base. On veut une augmentation pour le Québec de 460 millions avec une indexation pour les années suivantes pour venir assurer que les organismes communautaires puissent avoir un nombre suffisant d'employés pour répondre aux besoins, puissent répondre à avoir des locaux adéquats. Il y a des organismes qui ont des problèmes avec des toits qui coulent, des choses comme ça. Ils ne sont pas en mesure de venir assumer ces besoins-là et ils ont besoin du soutien d'un gouvernement à la mission pour soutenir les besoins des organismes, être capable d'offrir des bons services. Quand on a recommencé à reformer notre monde, partir à zéro tout le temps, ça affecte la performance, tristement. Selon nos deux intervenants, il faut également revoir le mode de financement, lequel fonctionne actuellement par appel de projet. Ce serait quelque chose qui serait facile à corriger, de passer du financement par projet, qui est toujours à recommencer, plutôt que de ramener ça à du financement à la mission, qui est plus stable, puis qui facilite la prévisibilité pour les organisations. Donc, il y a beaucoup de pertes, beaucoup d'économies de bureaucratie, de paperasse qui se réaliseraient. On se concentrerait davantage sur nos missions, puis on aurait bien meilleur impact dans nos communautés. Le financement par projet devient encore plus fragilisant quand on traverse des crises comme la dernière pandémie, où là, on rencontre des épreuves qui sont vraiment bouleversantes pour les organisations. Puis, encore une fois, les solutions arrivent par projet. Donc là, les solutions d'urgence là, que le gouvernement provincial a mis et fédéral, c'est tous des appels à projets qui fallait qu'on réponde des subventions. Puis là, il faut qu'on engage le délai de 6 mois pour dépenser l'argent. Donc, il faut qu'on engage pendant 6 mois-là quand on connaît la pénurie de main-d'œuvre. Ça a été des soutiens qui ont été aidants dans certains contextes, mais la fragilité à la mission organisationnelle a fait en sorte qu'on n'a pas pu optimiser autant qu'on aurait pu et dû ces argents-là qui descendaient parce que les fondations des organisations n'étaient pas en mesure de supporter cette crise-là et de faire face à cette tempête-là, dans le fond. Il y a également un changement de mentalité à opérer, selon Rémi Pelletier. Historiquement, on a pris pour acquis que travailler dans le communautaire, c'était une vocation, donc on pouvait sous-payer ce staff-là. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut rattraper et corriger comme perception. Ce sont des professionnels qui ont à répondre à des exigences de plus en plus élevées en termes d'intervention. La connaissance scientifique, elle s'améliore d'année en année. Le bagage de connaissances communautaires aussi s'intensifie, ce qui fait que les compétences sont de plus en plus élevées à exiger. Donc, il faut reconnaître ces compétences-là. Il faut surtout pas engendrer la pauvreté par le fait qu'on embauche du monde à bas salaire au sein de nos organisations. Puis, tristement, c'est quelque chose qui se passe actuellement. On engage des gens à salaire quasiment minimum, ce qui fait qu'on engrange la pauvreté par nos organisations parfois. Donc, ça, il faut corriger ça. Puis, il y a d'autant que la dernière étude d'impact socio-économique démontre que d'investir dans le communautaire, c'est payant pour le gouvernement. 1 $ investi dans la communauté, c'est 1,10 $ qui rapporte dans le produit intérieur brut, dans la mesure de la richesse collective. 1 $ investi dans le communautaire, c'est 1,10 $ qui retourne dans le PIB. Donc, on fait de l'argent en investissant dans le communautaire. Donc, il n'y a aucune raison qu'on sous-paye notre monde dans nos communautés. Montérégie, Amondi, c'est assez votre mépris.